Les premières informations veulent qu'un avion se soit précipité contre le World Trade Center. Il est carrément entré à l'intérieur de l'immeuble. Une tragédie qui vient de survenir dans la ville de New York. On voit le deuxième appareil qui va aller toucher la deuxième tour du World Trade Center. Lucien Bouchard a expliqué pourquoi il démissionne de ses postes de premier ministre et de chef du Parti québécois. Le départ précipité de Lucien Bouchard plonge évidemment le Parti québécois dans un bouleversement absolument inattendu. Police! Police! Toutes les personnes arrêtées vont être amenées dans une aile spéciale de la prison de Bordeaux. Boucher est l'un des quatre accusés qui a été amené au palais de justice. Le procès fleuve, qui réunira des dizaines d'accusés, devrait se tenir dans un nouveau palais de justice qui serait relié à la prison de Bordeaux. Il était passé minuit à Belgrade quand des unités spéciales de la police yougoslave ont pris d'assaut la résidence de l'ancien président Milosevic. Derrière les pompiers! Vous avez, vous, un premier bilan de ce qui s'est passé cet après-midi? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début du sommet, le bilan officiel fait état de 57 manifestants blessés. Il y a énormément de bruit, Daniel, actuellement. C'est Bouddha de Bamiyan, chef-d'œuvre de l'art bouddhique pré-islamique, sculpté il y a plus de 1500 ans, sont peut-être redevenus poussière. Nous allons faire le point sur l'atterrissage d'urgence d'un Airbus A330 de la compagnie canadienne Air Transat ce matin à 2h46 au large des Açores, près du Portugal. On a préparé l'arrivée imminente de cet avion-là. J'aurais pu me passer de celle-là, je peux vous dire ça. Je passe. Pour them to be lawfully married, together spouse to spouse. An amazing sight. C'est magnifique, le spectacle est renversant. Ce sont les premières paroles de Chris Hadfield lorsqu'il est sorti dans la soute d'Endeavour pour commencer une marche de 7h10 dans l'espace.